Pardon. Quelqu'un est monté dans un disco bus, jamais. J'aimerais beaucoup, je pense que j'ai ma place dans un disco bus. L'avion, c'est méga safe, j'aurais plus peur avec un random en Blablacar sur un trajet de 700 km. Ouais, oui, c'est sûr qu'en soi, sauf Boeing qui nique toutes les strates. Non, mais oui, en vrai, je veux dire, il y a moins de risques dans un avion, mais tu sais, t'es moins au contrôle et puis t'es vachement plus loin de la Terre quand même. Donc, genre, t'as des peurs irrationnelles ou non, tu vois. C'est des trucs où t'es quand même. Enfin, ton cerveau se dit, je suis quand même très très loin de toucher le sol, donc c'est pas tout à fait la même chose. J'ai pris le train boîte de nuit. Mais attends, mais trop bien ça! C'est comme les buildings, je connais les normes de sécu avec les ingés, utilisés par les ingés et tout. C'est pas rationnel, c'est une phobie. Je pense que c'est dû au vertige, ok, ouais, c'est ça. Il y a moins de risques, mais s'il y a un problème, tu te rates. Non, rarement, voilà, c'est ça. Genre, en vrai, il y a aussi ça, tu vois, c'est que. S'il y a un problème, c'est foutu! Genre, je veux dire, s'il y a un problème, t'es sûr. Y a pas d'une petite jambe cassée, quoi. Et du coup, tu te dis, c'est quand même plus définitif. Mais je sais que, genre, en avion, quand il y a des turbulences, ça va, mais j'ai eu une fois. Tu te bourres la gueule. Il y en a qui font. En vrai, il y en a qui, genre, justement, avant de. Ou en rentrant dans l'avion, tu vois. Alors, de là, se bourrer la gueule, non, parce que je pense que sinon, tu t'es pas mal. Mais en vrai, je sais que j'ai déjà connu des gens qui étaient en mode j'arrive, je rentre dans l'avion, je bois un peu, juste pour dormir, quoi. J'ai pas peur tant que le staff est calme, c'est ok. Moi, quand je vois le. Je ferais pas trop ça avec moi. Moi, je pense que je finirais mal, donc personnellement, je bois pas dans l'avion, je pense que ça finirait très très mal. Je finirais juste par beugère. Mais ça marche, Galadriel, bon après-midi. Je m'écrase dans un arbre amorti par les branches. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Pire, je me dis, je saute, je tombe pas. T'es sûr que t'y passes. Mais c'est vrai, quand tu vois le service, enfin les hôtesses et tout, ou le staff s'asseoir et mettre leur ceinture, même si en vrai, c'est juste aussi pour pas qu'ils tombent, ça veut pas dire qu'il y a un risque. Chaque fois, t'es en mode, shit, ça va? Mais je crois que j'ai plus peur. Je sais que. Ben, des moments où on entendait des crashs d'avion tout le temps. Et où ma mère prenait pas mal l'avion pour le boulot. Genre, je sais, quand elle rentrait, j'étais toujours un peu. Genre, j'avais toujours peur. J'avais toujours peur, plus pour d'autres. Quand je savais que d'autres prenaient l'avion, plutôt que moi. Personnel cosy sont interdites en avion à cause de risques éventuels que ça peut engendrer. Mais il y en a qui boivent dans l'avion, en patatin. Il y en a même qui se font servir de l'alcool dans l'avion. Dans un avion en allant en Pologne, le gars à côté buvait une bouteille de vodka. Puis un gars déguisé en pingouin demande un mariage. Une fille qu'il connaît pas, mais ouais. Mais c'était un avion classique. Pour à présent avoir un pied dans les avions et tout, c'est plutôt sécure quand même. Bah, heureusement, hein. C'est spécial. Mais ouais, c'est toujours la peur de. La peur pour quelqu'un d'autre. C'était n'importe quoi. C'est déjà fait servir de l'alcool dans un avion avec des potes. Mais oui, dans le. T'en as. Tu peux en avoir autant que tu veux sans aucune restriction en termes graves. Dans le sens où tu veux juste. Oui, tu dois juste pas être complètement bourré. Mais de toute façon, je pense qu'être complètement bourré dans l'avion, c'est une. C'est une pire idée. Hein. Tu peux te faire attacher dans l'avion si t'es un peu agité, c'est vrai? Je sais pas. Plus je travaille dans l'aéro, plus j'ai peur de monter dedans. Oh, c'est vrai, Cormoran? Sérieux? Moi, j'ai pas peur de monter dedans, mais j'ai peur quand quelqu'un d'autre monte dedans.
On racontait qu'ils se sont fait offrir plein de coupes de champagne pendant leur voyage en avion de lune de miel et qui qu'arrivés aux États-Unis, ils étaient limite pour passer l'aéroport. Oh non! Complètement rebou à l'aéroport. En plus, si t'arrives aux États-Unis bourré, avec toutes les questions qu'ils te posent, je pense que c'est pas ouf.